Alors, si on l'envisage en tant que sacrement, puisque c'est le nom d'un sacrement, c'est le premier, et c'est pour ça qu'il est enseigné par Saint Thomas juste après les sacrements en général. Et en un sens, c'est le sacrement le plus exemplaire, parce que c'est là que la théorie générale des sacrements s'applique le plus et le mieux. Alors, comme sacrement, on a vu dans les sacrements en général que les sacrements sont des signes. Et des signes de quoi ben D'un acte par lequel Dieu nous sauve. Alors le baptême, comme signe, est une ablution d'eau, avec la parole qui précise que ce n'est pas pour se rafraîchir, le signe n'est pas là, hein, mais c'est pour être lavé, puisque baptizein en, en grec peut signifier laver, pour être lavé du péché originel, et si on est baptisé à l'âge de, de raison, des péchés personnels. Alors, il faut remarquer que euh, le rite du baptême, par conséquent, l'ablution d'eau avec la parole Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, euh, ne dit que, je dirais, la moitié du baptême, c'est-à-dire l'aspect de, de purification. Mais de soi, ce rite ne dit rien de, du cœur du baptême, si je puis dire, c'est-à-dire l'adoption filiale, la grâce de Fils. Et c'est la raison pour laquelle le rite essentiel du baptême, tel qu'il est déjà visible, dans l'écriture sainte, les actes des apôtres par exemple, Philippe qui baptise l'eunuque, a été entouré de, de signes secondaires, les sacramentaux, euh, qui vont, qui vont euh, compléter la signification, euh, essentiellement le vêtement blanc, euh, le, la lumière du siège pascal, qui sont des signes positifs, pesantir dire, et, et qui, eux, disent l'adoption filiale qui résulte de la purification.